On était donc rendu là il y a 2 semaines. Je sais plus du tout où on en était par contre. Nettoyons vite. Chiffon prend 6, on peut aller nettoyer le truc de la tour. Le rocher. Il y avait tout ce rocher à la con. De façon méthodique. Là-bas. Non. Il est pas là, on a dit. On a 3 couches en fait, c'est pas compliqué en soi. Ah, elle est là. Voilà le rocher. Maintenant, il s'agit de trouver le point de référence. La statue se trouve au nord de celui-ci. Ah putain, d'accord. Ok. Je n'avais pas compris l'histoire du point de référence. Parfait. Donc là, on peut descendre. Hop, retourner vers le vieux chêne et partir au nord. But I need something to point me in the right direction. Au nord de quel côté? But I won't find it without a compass or something. The rock is north of here, and now I should go north. But I need something. Ok. Crapin bougie purin. On n'a rien débloqué en fait. On a peut-être des zones d'objets cachés qui se sont déverrouillées. Il faut que je mette les 3 dents. Non, c'est bon dans ce monde. Ah, j'y aurais pas pensé. Très bien.
Cette cloche me terrifie. Ce battant de cloche n'a rien de normal. J'avoue. Est-ce que je peux le limer? Non. C'est très bizarre. Il est totalement dans la possédance. Salut Nounours. Je sais, je sais même pas ce qu'il faut faire. Je suis fumée là. Non. Non. Et non plus. Rien. Qu'est-ce qu'il veut que je chope ici? Je comprends pas. Je vois quelque chose derrière la grille. Ah, peut-être qu'avec ça. Ok. Très bien. Parfait. Instruction. Ok. Ranger les carreaux pour obtenir une image. Tirer sur les loquets. Dans le bon ordre. Ah. C'est chaud ça. Attends, et lui il peut pas. Non. Oh, c'est dur ça. Quand j'étais gamine, je savais pas faire ça. Je ne savais pas faire ça. Pourquoi il y en a en haut? Ça n'a pas de sens. Oui, d'accord. Il va en baie. Ok. La flèche à droite sur le loquet du haut. Quoi? La flèche à droite sur le loquet du haut? Quoi? Ouais, pas compris. N'a pas compris. C'est tout? Un tube à essai. Ah oui non, il vous fait un truc plus. Qu'est-ce qu'on fout avec un tube à essai? Là-bas. D'accord. Il veut qu'on file un tube à essai à bouffer au chien. La corde est très serrée. On peut la desserrer avec un tube à essai? Pas du tout. Il donne un tube à essai au chien? Ah oui, c'est complètement con. Ah, on peut aller par là. Bien sûr. Off course. J'ai pas deuxième.
Ceci, c'est complètement con. Y a quoi à faire là-dedans? I remember now. Ah, d'accord, très bien. I've been here once before. Ah, c'est tout. Très bien. Il y a des runes sur ce morceau de papier. Elles ressemblent à celles dessinées sur le dessin de la cloche. C'est peut-être un code important. Je ne saurai que quand j'aurai trouvé le reste de la page. Mais... Oui, d'accord. Oh putain. Bah... Ok, très bien. Très bien. Donc il faut que je trouve la route avec El Codo Unico... Ok. Mais du coup, j'ai toujours pas la... Les bidules. Coucou, Chin. Comment on va ? Vous avez trouvé un objet utile, de l'acide. De l'acide, qu'est-ce qu'on fait avec de l'acide ? Oh mais merde, sur la cloche. Pourquoi il faut que je monte ce coin? Là-dessus? Mieux qu'hier et bien moins que demain, et toi? Pas mieux. Qu'est-ce qu'il veut que je foute en haut? Tu veux que j'acide... Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est la gueule? Hop là. Ah des chais. Des gens normaux. Ah. Des gens qui font plus flipper. Heureusement qu'il y a la petite aide. Hein. L'église, j'ai réussi à faire taire la cloche. Elle a sonné au sommet du clocher en portant les escaliers au passage. Elle est tombée du sommet du clocher en portant les escaliers au passage. Comme prévu, lorsque la cloche est tombée, c'est trop, ça a pris fin. Et tous les habitants de Maple Creek sont partis en courant en état de choc. Je ne pense pas pouvoir les interroger, mais je peux tous les sauver. Ce que tu crois, Jacqueline. J'ai déjà vu quelque part ça. Je sais pas où. Ah! Poignée de cercueil, champignon, médaille. Champignon. Médaille? Poignée de cercueil? Non, pas du tout. Poignée de cercueil? Putain, c'est glauque. Là. Bougeoir, boussole, colombe. On va voir la boussole de colombe. Bougeoir, boussole, colombe. Est-ce qu'il y a une colombe? Colonne, faucille, sablier.
C'est oublié. Une main. Ah non. Roue, balai, main, colonne. Ah, colonne. Roue, balai. Balai. Roue. Roue. Main, colonne. Main. Colonne. Qu'est-ce qui peut ressembler à une colonne ? Chapeau. Vous avez trouvé une boussole. Je vais pouvoir partir dans la forêt. The meeting place should be just north of here. Je suis le nord. Essayer de leur mettre dessus. Allez. There's some sort of rock formation up ahead. Français déjà. Comment expliquer ces escapades nocturnes de mon père? Ça doit être le rocher où on m'a donné rendez-vous. Mon contact doit se trouver quelque part. The trails are beautiful. On est dans ce truc-là. Forest. Bim. C'est tout? Pas de pute à ça? Ah! Hello you! Detective, so nice of you to finally drop by. Can I interest you in something to eat? Polish sausage, perhaps? It tastes Polish. Who are you? Why did you leave me that message? I want to help you, but there's one condition. No questions. I see you've handled the bell nicely on your own. Now, my unsolicited advice is to stay focused on the church. Search it like you haven't got a prayer, because let's face it, you don't. Hurry, you can still save Kate. And by the way, you might find this handy. À la dernière bougie. Très bien. Ça, on va pouvoir ouvrir l'hôtel sous l'église. Attendez, je suis en train de me poser. En mode... Hop, les pieds sur le bureau. On met le casque à fond. Zou, c'est parti. J'ai pris la... Non. Donne-moi ça. Salut Maryse. Hop. Comment on va? Donc là on va direct dans l'église. Pif paf pouf. Qu'est-ce qu'il a Jean-Bobby? Pourquoi il reste là? La vieille porte reste ouverte. Attends. Un. Deux. C'est par taille peut-être, plus que par... Ah, ça fait crack. La trappe est ouverte, je devrais examiner.
Sur cette vieille photo, la trappe est ouverte. Merde, une photo avec la trappe ouverte. J'y suis pas. Ouais, ça va, je suis fatiguée, mais ça va. Ok. 5, 1... Non. 4, 1... 6... Cinq, quatre, trois, deux, un. Donc. Cinq, quatre. Oh, c'était pas ça. C'était pas ça. Même là-dessus, j'ai galéré, c'est chiant. Moyen, pitié, grand, pitié. Moyen, pitié, grand, pitié, grand. Pitié, grand. Ah. Ça c'était un peu pas du tout. Non, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je suis rentrée, il a fallu que je règle un truc urgent. Qui j'espère va se régler vite. Parce que là, j'en ai ras le fion. Héron, héron, petit pâte à fion. Ça m'énerve. Figurine de métal. Feuille de chêne. Pomme de pain. Grain de café. Binocle. Tire-bouchon coquillage. Binocle, tire-bouchon coquillage. Ah, les binocles sont là. Tire-bouchon, coquillage. Coquillage est là. Clochette signe, tire-bouchon. Signe. Je vais partir là-dessus. Stylo, et tire-bouchon et pipe. Ah ouais. Ok, parfait. Figurine en métal. Métal. On a une qui va là. Mime, parfait. Qui va là. Il nous manque. Il nous en manque une troisième. Non, 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 il est parvenu à s'échapper. S'il se dénonce, ils trouveront les corps. Je dois les déplacer. Mes ouailles commencent à reprendre conscience. Thomas Walker ne présente aucun danger. Il va bientôt perdre la tête. Mais le fils du fermier a l'air intelligent. Il risque de donner l'alerte. J'ai besoin de renfort.
Ah, ça va qu'avec ça. Je n'en ai qu'un. Je suis nul. Je irai bye bye. Pardon? Ah, j'adore. Ces jeux qui n'ont pas de bordure. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça, putain, j'ai eu peur. Mais quelle connasse. Je suis fatiguée. Je n'ai même pas fait attention à ce que j'étais en train de faire. Tout va bien. Tout va extrêmement bien. Ah, j'étais au bout de ma vie, là. Ah non, mais pire, j'étais au bout de ma vie. Je fais, non, ça y est, je suis en train de redémarrer les jeux et tout. Au secours. Mais qu'est-ce que je fais, bordel? Nours, tiens-toi prêt à tout moment, je peux succomber et te laisser la place. Hein. Je suis pas bien là. Qu'est-ce qu'il a lui? What the... Ah non, mais je suis en train de m'endormir devant le PC. C'est... And where's the preacher? I've been coming here every day for years. Ça fait deux jours que je dors presque pas, je suis super tendue là en ce moment. I was home, talking to my late wife's memory, when the storm broke. That's the last thing I can recall. Oh, I feel so weak, legs wobbling like a newborn calf's, like something just drained the life from me. But about that girl you're looking for, I saw her a few times with the boy from the farm west of my house. Watch them two right from my balcony. Oui, il m'arrive rien, t'inquiète. Une sombre histoire de PayPal et de gens qui réclament de l'argent que je peux pas donner. Et que ça me fait péter une durite. Mais on n'y peut rien. Life is life. La 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 la. Donc. Ouais. Du coup, je suis totalement pas dedans. Ah non, c'est pas réglé. Non, c'est pas réglé. Là, on m'a débité 16 balles en plus tout à l'heure. Ce que visiblement semblerait-il que pour chaque dossier créé, PayPal te prend une commission de 16 euros. Donc, vu que j'ai 10 dossiers d'ouvert, je te laisse faire le compte. J'en ai pour un peu plus de 200 balles à rembourser. Là, je suis pas bien. Clairement, je suis pas bien, ça me fatigue ces conneries. Qu'est-ce qu'il y a là? J'aime pas. Voilà, dis-moi, je dois mettre les trucs là, ça m'énerve. Je... Oui, j'ai totalement 10 dossiers. J'ai un viewer qui m'a fait une dizaine de dons et il s'est fait piquer sa carte bleue. Du coup, il a fait opposition à sa carte et la banque a fait opposition sur tous les dons qu'il m'a fait depuis le mois d'août. Donc une dizaine, ce qui me fait déjà de base, à la base, ça me ferait à peu près 79 euros à rembourser. Sauf qu'en plus de ça, ça t'ouvre un dossier de transaction à chaque fois, et chaque dossier de transaction sont majorés de 16 euros par PayPal. Voilà. Donc là, actuellement, je suis juste en PLS. Je peux même pas retirer ma carte bleue du compte PayPal. Je peux pas fermer le compte PayPal. Ouais, non, mais j'ai réussi à prendre contact avec lui, ça c'est pas le problème, c'est juste que PayPal te dise des trucs, la banque te dise autre chose, et au final, là, bah, quand je suis rentrée du boulot, j'ai pas siesté parce que j'étais avec lui sur Discord en train d'essayer de discuter, comprendre ce qu'il y avait, et on a appelé, j'ai appelé PayPal alors qu'on était tous les deux sur Discord pour qu'on entende la même chose. La nana m'a expliqué, je lui ai redonné son numéro, enfin elle avait son numéro de téléphone vu que les comptes ils sont liés et, par la requête. Là, elle l'a appelé, j'ai entendu ce qu'il disait et du coup voilà, mais ça fait deux jours que ça me prend la tête et je dors pas en fait. Ça fait deux jours que je dors pas parce que je sais pas comment je vais faire, si je suis obligée de refiler plus de 250 balles là, je ne sais pas. Bref. C'est pas le sujet, mais du coup, je suis fatiguée. La cachette du révérend. Le révérend étant mon principal suspect pour les meurtres, je dois absolument le retrouver. Il n'a pas l'air d'être à Maple Creek. On l'a vu la dernière fois, je crois. Il s'est peut-être terré quelque part, mais où? Il a certainement une cachette en dehors de la ville. L'hangar à bateau serait-ce la cachette du révérend? Un point est marqué sur l'autre côté du lac, sur cette carte que j'ai trouvée à l'église. Je peux trouver un sentier près du rocher à forme humaine. Okay.
On est donc reparti. Sentier. First left, then right, twice left. Sentier. Et ouais, du coup, c'est totalement sympa. Ah, c'est la saucisse pour donner aux chiens. Really? My personal belongings should be less intimate. Il est où? Ah, il est à Babalouette, le toutou. Ouais, first left, then right, twice left, gauche, right again, droite, and gauche, I should be gauche, there. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Allez. Y a un truc là? Pas du tout. Avec un râteau, avec une saucisse. Faudra qu'on revienne. On ne peut pas forcer les serrures à coups de saucisse. Scandale. On va retourner voir le chien. Le chien. Bonne idée, peut-être pas juste devant l'entrée. Tiens. Va bouffer ta saucisse sur Bobby. Alors, plaque numérologique, rouleau à pâtisserie, raquette de tennis, plaque numérologique, oui. Raquette de tennis, oui. Rouleau à pâtisserie. Morceau de cuir grippin parapluie. Morceau de cuir. Grippin. Parapluie. Parapluie. Devant chez nous, c'est avec une chocolatine, ça marche aussi. Ciseaux. Foulard palmier. Cheval à règle rose. Rose. Cheval à règle. Cheval à règle rouleau à pâtisserie. Where is the regal? Where is the roulaille of the pâtisserie? Règle à droite devant l'atelier. Ah yes! GG! Merci Vin. Et le rouleau à pâtisserie. Ah, il est là. C'est de ce good. Un morceau de cuir. Ça, je vois pas à quoi ça va nous servir. Non, ce n'était pas dans mon cul. Désolée, Maryse, de vous décevoir. La chaîne est cassée. Un morceau de cuir. D'échelle énorme, impossible de la soulever toute seule. Il n'y a pas de moteur, on vient de l'enlever. Ah d'accord. C'est complètement con ce qui vient de se passer. C'était pas... D'accord. Ah, c'est moins con du coup. Pistolet en plastique, moteur de voiture, perceuse à main.
box autour de voiture. Nours, tu fais quoi? Pistolet en plastique, perceuse à main. Quoi, le chat? Oui, il y a un chat aussi. Pistolet en plastique. Patin à roulettes. Oui. C'est des patins à roulettes, ça? Tu fais rien? Tu veux jouer plus tôt? Les perceuses à main sur le foin? Peppers. Patin roulette, canette écrasée. Je l'ai vu, la canette écrasée, là-bas. Si, à métaux. Mais les gars, ils cherchent des trucs, je sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. Aspirateur, ça non plus, je sais pas ce que c'est. Fourche poupée. Foufou. Patin roulette, papier. Là, si tu veux bien reprendre à 21h, je veux bien, ours, je vais aller me coucher. Ça me prend trop la tête depuis hier, ces conneries, là, je suis... J'ai pas la tête. Papier. Papier. Mais tout ça, ça peut être du papier. Papier ? Mais l'ours il dort pas beaucoup au final. Le papier sous le manteau. C'est ça le manteau? Ah, sous le marteau. Ça c'est un marteau. C'est ça le marteau, non? Ah non, c'est ça le marteau. Non. Pas de papier là. Ouais, à côté de la carte de jeu, ouais. Oh putain, d'accord. Ok. Et j'ai une scie à mettre. Qu'est-ce qu'on en fait de la scie à métaux? On scie des trucs. Qu'est-ce qu'il y a autre chose à voir ici? Vers le garage. Ok. Un truc à essence. On va essayer de se barrer. Je sais pas trop. Le creek. Ah merde, j'avoue. T'es crevé en plus, ours. Non, bah laisse. Laisse tomber. Une scie, un balai. J'ai plus rien là-dedans. Alors, champignon polypore. Voilà. Vous savez ce que c'était? Moi non plus. Patin roulette, raton laveur, tourne ta vis, torchon, bonbon, le terreau. Il y avait tout le sac de terreau. Le terreau, une altère.
menace. Ah non, c'était pas ça. Une limace. Un collier. Et un short. Ben voilà, ça s'est fait. Pour dépecer un petit morceau, la scie à méta. Ça, ce serait pas pour démonter le truc d'où on vient. Nia, nia, nia. Pouf. Sérieux? Moi, c'est nul. Ma vie est nulle. Bye. Paille, paille. Mac aurait réussi à démonter la scie, ou ressouder une porte et créer un passage avec un seul tournevis, une allumette. Ah ouais, mais MacGyver aussi. Hein. Voilà, voilà. Le bon vieux temps, c'est ça. Maintenant, on est 15 à se mobiliser dessus et on n'y arrive pas. Il y a un truc qui brillait ici. What do you bread? Il est de forme humaine en effet. Yes, but why do you bread? Avec le ton de ta vis peut-être. Faut autre chose. Une scie à métaux. Sortir de là, je sais, c'est pas ce que je voulais. Sors de là aussi, très bien. Sors de là aussi, très bien. Ah. Quoi ? Ah, les petits bâtards. C'est ça qu'on prend ? Mais là, faut juste que je prenne en fait. Très bien. Ah, et ça, avec ça, on peut crocheter. C'est un kit de crochetage. Mim. Ah. D'accord. Mais tu mens. Bim. Et de une. C'est pas compté la première. C'est le premier que je suis chopé en vrai. Allez. Alors, étoile de mer, clé anglaise, coquillage. Étoile de mer, coquillage. Clé anglaise. Thermos, lanterne, whisky. Whisky. Thermos, lanterne, thermos. Hélice, rouée, radio.
Oui, pas du tout. Avec tes bêtises, tu me fais perdre le fil, Elise. Une bouée. C'est totalement une bouée, ça, nom de Dieu. Why you are not a bouée? Ah, peut-être celle-là, du coup. Andy Tubasso. Ah, Andy. So Tuba. Bah voilà! Qui? Un saut pour faire je sais pas quoi. Ah. D'accord. Ok. Allumer la bougie. Of course. De la résine. Je n'ai pas de résine. Pardon, désolé. Bon, maintenant. Un tournevis, on peut projeter ça ou pas? Une scie. Allez! C'est un kit de cocaïne, la cuillère et la bougie. Ouais, je pense qu'on est en train de se faire un petit roy. La barque a une fuite, elle est remplie d'eau, impossible de l'utiliser tant que ce n'est pas bouché. On va écoper. On peut pas écoper avec le trou, on peut boucher avec du cuir. Non. On peut pas boucher avec du cuir, merde. Mon idée était parfaite. Ah, c'est dommage. On reviendra se faire de la dope plus tard. Ah, pour ramasser les feuilles. Une hache cassée. Ouais, mais. Laisse-moi avec ma biquette, bordel. C'est pas possible. Tu sais pas, toi, t'es pas un vrai. Sérieusement? Ah, j'ai une arme. Où j'ai planté un chien. Je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse. En vérité. Je peux mettre ceci. Je comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Je me dis encore d'aller là. Faut que tu fasses de la résine pour boucher le trou. Ah. Oui, mais j'ai pas de. Peut-être avec ça. Pas du tout. Tournevis. Non. Ouais, qu'est-ce que je suis censée mettre là? Je veux bien faire la résine, mais ça? Il faut ça? Moi j'ai pas ça. Le chef de pagaie? D'accord. Ma barque elle va culer. Culer la barquinette. Mais ça m'énerve, arrête de dire que je peux aller là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais mettre mon doigt. Thank you.
960-913. Le plug tombe du sol. Mais arrête avec le plug tombe du sol, nom de Dieu! Il n'existe pas! C'est une boîte à bonbons, putain! Une boîte à bonbons! C'est une honte, Yuni! Vous m'entendez? Une honte! Mais. Je sais plus où c'était. Dans la maison de l'autre côté, again. Bah écoute, toi, si tu veux bien reprendre à 21h, je fais encore une scène et je vais me coucher. Puis voilà. Comme une pauvre malheureuse. Où est-ce qu'elle était cette porte de merde là? Il y avait un truc avec le deuxième comme ça et le cœur. Où est-ce que je les ai vus? Ça me fatigue. Non, c'était pas là. C'était eu. Merci. Je suis perdue. Perdu. Où est-ce que je les ai vus? Ouais, pas de soucis. Bah dis-moi quand t'es où. Ça me saoule. Pour remplir le seau. Mettre de l'eau. Ok, parfait. Un seau d'eau. Pour qui ils veulent un seau d'eau? Oh là là, mais j'ai tellement pas la tête dedans là, c'est fou. J'arrive pas d'utiliser la soluce, je pue la merde. Pourquoi faire, ils veulent un seau d'eau? Pour le mec qui est en bas, seau d'eau dans ta gueule? Pas du tout. Alors, un compte-gouttes, un champignon, bim, un serre-tête. Compte-gouttes, champignon, serre la tête. Serre la tête. Ampoule, chapeau, poudrier. Ampoule. Chapeau. Poudrier. Poudrier. Boulon, victoire, victoire. Bateau, boulon. Boulon, bateau. Feuille, cactus, mule. Cactus. J'ai vu une mule, je crois. Bon. Mule, feuille, poudrier, serre-tête. Mule, feuille, poudrier, serre-tête. Poudrier à côté du réveil. Ah, bien vu. Renours. Mule, feuille, poudrier. Non, mule, feuille, serre-tête. Des feuilles? Pas du tout. Des mules. C'est des mules, ça. Feuille et serre-tête. Serre-tête sur des têtes, c'est con. Feuille.
serre-tête sur le bocal. Ah, bien vu. Tu as l'œil du tigre, Yuni. Tu as l'œil du tigre. Et la feuillue? Elle était où, la feuillue? La feuillue, la feuillue. Pilipilipil. Ah, elle est là. Oh, ils ont gagné un compte-gouttes. Est-ce qu'on est content? Oui. Bon, écoutez, du coup, je vais m'arrêter là. Je suis désolée, ça aurait été un mini live pour moi d'à peu près une heure. Je suis vraiment vannée. J'ai pas la tête à jouer. Là, j'arrête pas d'utiliser les aides. J'ai clairement les yeux qui sont en train de se dire merde. C'était pas une très bonne journée. Je suis fatiguée. Je suis vraiment désolée. Je préfère vous laisser avec le nounours qui vous proposera quelque chose de mieux. Et du coup, on se finira ça la semaine prochaine. Ça a sauvegardé totalement. Oui, on a plein d'objets. Je sais même pas à quoi ils servent. Là, franchement, à quoi ils servent. Mais ouais. C'est quoi, K.O. Ferme ta gueule. Ça va pas du tout. C'est ça, vous êtes doublement puni. Ce sera un petit peu plus de Nours ce soir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nours, de reprendre. C'est très gentil. Je vous laisse du coup avec lui. Je vous fais le bisou. Bien entendu, il n'y aura pas de South Park sur ma chaîne ce soir parce que je suis au bout de ma vie. Et je vous fais le bisou et je vous dis à demain. Voilà. Amusez-vous bien. Peace out.